Salut, salut, salut mes coucous du monde entier. Je m'appelle Angel Andela. Je suis une star. Ah. Je suis riche. Voilà. Bon, je suis intelligente. Connectez-vous, connectez-vous. Béni Dieu. Donc là, je suis venue m'asseoir ici devant vous ce soir pour vous demander les étoiles. Oui, j'ai besoin de. Bon, si vous n'avez pas les étoiles, vous me faites les Western Union et les RIA. Je suis venue vous demander l'argent. Connectez-vous. Partagez, partagez mon direct. Je ne mets pas l'eau. Oui, en fait, je suis en train de faire un business là. Je suis en train de faire un business. Je suis en train de faire un forage d'eau dans mon pays, dans mon village. Et le forage d'eau, il faut compter 10 000 euros. Voilà, donc là, je vais aller au Cameroun en septembre parce que je ne veux pas envoyer l'argent. Je ne veux pas envoyer l'argent aux gens. Oui, parce qu'il y a les gens au pays qui pensent que 1 500 euros, ça se ramasse comme ça, 2 000 euros. Ils te disent oui, fais d'abord l'avance de 1 500 euros. Donc là, j'ai besoin d'argent, il faut m'envoyer l'argent. Il faut me mettre les étoiles. Voilà, je suis en train de faire un forage d'eau dans mon village. Donc chez moi, en Coltima, là où je suis née. Donc il me faut 10 000 euros. Donc il faut que vous me trouviez même la moitié. Voilà. Donc à l'heure actuelle, là où je vous parle, là, je m'en vais au Cameroun en septembre. J'ai déjà acheté mon billet d'avion moi-même. Je me suis battue, j'ai trouvé un billet d'avion à 800 euros là. Les billets d'avion sont chers. Moi, je ne comprends même pas pourquoi les billets d'avion sont chers comme ça. Et en plus, ce n'est même pas fait Air France. En passant par Air France, le billet d'avion allait être dans les 900 000 euros. Pour moi, tout seul. Donc, j'ai acheté le billet d'avion à 800 euros en passant par Air Bosa. Mais j'ai deux bagages de 23-23 kilos et j'ai droit à 20 kilos, à 15 ou 12 kilos en main. Donc maintenant, je suis venue là pour vous demander les étoiles. Donc allez chercher les cartes bleues. Partagez, partagez d'abord, appelez tout le monde. Donc tous les soirs, je vais faire les directs comme ça, vous me mettez. Parce que quand je ne fais pas les directs, vous ne me mettez pas les étoiles. Quand je fais les vidéos, vous me mettez. Quand je fais les vidéos, vous venez seulement commenter, vous me mettez. C'est quand je viens m'asseoir tous les soirs comme ça, là, donc. Connectez-vous, connectez-vous. Moi, j'avais mon chéri ici qui me donnait l'argent. Ils l'ont envoyé en prison. Donc maintenant, je dors seule. Le bout de ça. Les célibataires dorment comment? Ils dorment. Maman, je vais vous montrer comment les célibataires dorment. Maman, même les médecins. Mettez les cœurs, même les cœurs. Je ne vois pas les commentaires. Les célibataires dorment comment? Les célibataires dorment comme ça. Oh. Mais coucou, les célibataires dorment comme ça. Comme ça, comme vous voyez là. Donc, c'est ça que je suis venu vous dire. Il faut m'envoyer l'argent. Les célibataires dorment comment? Ils dorment comme ça. Donc, à l'heure actuelle, là où je vous parle, là, c'est chaud. Vous voyez, non? Tout le village sait que. Donc, tout le village m'attend. Cherchez les cartes bleues, pardon. Allez chercher vos cartes bleues, vous me mettez les étoiles. J'ai besoin, je suis en train de faire un forage dans mon village. Je sais, vous allez me dire que, mais est-ce que c'est notre village? Est-ce que nous-mêmes on a ça? Mais non, ne dites pas les choses comme ça. Quand on fait du bien à quelqu'un, on ne regarde pas que. Oui, parce que je connais déjà ce que. Je sais, je connais ce que vous allez dire, mais pourquoi il nous saoule avec son village, son village? C'est mon village, mais coucou, moi, j'ai pas de. À chaque fois, son village, hein. Moi, mon village, il y a la sorcellerie, mais ils ne me font rien. Les sorcières ne me font rien parce que tout ce que j'ai, je leur donne. Si je n'ai même rien aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas versé tout dans mon village. J'ai creusé le puits d'eau. J'ai creusé le puits d'eau. Qui fait déjà près de 10, plus de 20 mètres. Il y a de l'eau. Mais le puits d'eau en question, j'ai ma voisine, donc j'ai ma tante qui est plus bas, qui a fait une bonne mise en eau chez elle. Tu vois, non? Elle a fait une bonne mise en eau chez elle, ce qui fait que
Nous, comme on est un peu à la colline et elle est en bas, elle a donc tiré tout l'eau. Donc, ce qui fait que mon puits d'eau que j'avais fait là a taré. Et le puits d'eau là, j'avais dépensé 350 000 francs CFA. J'ai dépensé 350 000 francs CFA sur le puits là. Pas seulement sur. En fait, comment ça se passe? Donc, allez chercher les cartes bleues, s'il vous plaît, mes coucous. Je suis venue vous demander de l'aide. J'ai besoin de 10 000 euros. Mais si vous pouvez me donner la moitié, moi-même, j'ai déjà la moitié. Et voilà. Parce que je vais aller rester un mois au pays. Voilà. Les 10 000 euros, ce n'est pas pour le forage. C'est pas tout sur le forage. En fait, comme je vais aller rester 2 mois au pays, parce que moi-même, je vais aller faire mes choses moi-même sur place. Donc, il faut que je paye déjà, que je laisse un peu d'argent sur mon compte. Tu vois, non? Donc, je vais laisser peut-être même 4 000 euros sur mon compte comme ça. Et je vais mettre. Vous savez que moi, au pays, je ne paye pas grand-chose. Je n'achète pas grand-chose parce que moi-même. Moi, quoi? J'avais promis d'envoyer quoi? Mais moi, j'ai envoyé l'argent là-bas au pays, non? J'ai envoyé, on m'a fait. J'ai déjà envoyé 60 euros le mois, non, le mois passé. Le mois-ci, j'ai envoyé 30 euros. Moi, j'ai envoyé l'argent. Il y a une fille qui est venue ici. Que, ouais, je suis enceinte, m'a envoyé les photos. Moi, j'ai envoyé l'argent à celle-là. Donc, je suis venue. Laisse. Les gens, s'ils vont me mettre l'argent, je vais t'envoyer les 20 euros. Attends, j'attends les gens, là, ils vont venir me mettre les étoiles. Les 20 euros, là, laisse. Laisse d'abord faire parler, chercher l'argent ici là. Donc, bipez les Canadiennes, bipez-moi les Américaines là, dites-leur que c'est chaud. Donc, vous voyez, non, donc je vais aller au pays faire 2 mois, mais avant de partir au pays, il faut que je laisse 4 000 euros sur mon compte ici. J'ai déjà enlevé 1 000 euros pour payer mon billet d'avion. Donc, on est déjà à 4 000 euros. Et il me faut. Donc, il faut m'envoyer l'argent par Western Union. Mais coucou, mettez les étoiles d'abord ici là. Vous pouvez mettre les étoiles de 100 euros. Hein. Ça ne dérange pas, mais ça prend toujours. Voilà. Donc, j'avais fait un puits d'eau dans mon village. J'avais dépensé 350 000 francs CFA. Pas parce que le puits d'eau. Vous allez me dire, un puits d'eau simple, c'est pris. Oui. Un puits d'eau, oui. Ce qui se passe, c'est que les Haoussa sont venus creuser le puits d'eau dans mon pays, dans mon village. Les Haoussa ont creusé le puits d'eau. Non, ce ne sont pas les Haoussa. Les gars Etone, les gars Abéti de mon village sont venus creuser le puits d'eau. Ils ont creusé. Comme moi, je suis un peu, vous voyez, moi, je suis un peu à la colline. Moi, je suis un peu à la colline. Donc, ils ont creusé. Arrivé là-bas, les Etones, là, ont trouvé le caillou en bas. Le rocher. Ils ont essayé de casser le rocher, mais ils n'ont pas pu. Ce qui fait qu'ils ont abandonné le travail. Et à eux, j'avais donné déjà 100 000 francs CFA. Donc, 150 euros. Sans compter. Les petits, allô, ils ont faim, il faut la nourriture. Allô, ils ont soif, il faut la boisson. Allô, il faut faire le salaka. Il faut la poule, il faut le vin rouge. Donc, je ne peux pas. Donc, j'ai dépensé près de 200 000 francs CFA pour le puits là. Quand ils trouvent le caillou au milieu comme ça, ils ont abandonné le travail. Et après, quand ils ont fini d'abandonner le travail comme ça là, moi j'avais, tu vous savez, au pays, quand tu as promis quelque chose là, il faut faire. Il faut faire. Donc, c'est comme ça que ma famille commence à me mettre la pression. Ouais, tout le village attend. Ouais, ils disent que. Ouais, on veut de l'eau. Ouais, tu n'as pas jeté l'argent comme ça par terre. Ouais, il faut recommencer. Donc, voilà qu'on me ramène encore les gens, non? Les Aoussa. Les Aoussa arrivent. Ils creusent. Non, non, on ne m'amène pas les Aoussa. On m'amène d'autres gars bêtis. D'autres gars bêtis qui creusent, qui creusent, qui creusent. Arrivés là-bas, ils trouvent un rocher. Mais coucou. Ils trouvent un rocher. Le rocher là est cassable. Mais comme ils étaient déjà peut-être fatigués, vous savez, quand vous-même vous n'êtes pas sur place pour bien gérer vos gars, peut-être qu'ils avaient déjà faim. Donc, ils ont abandonné, les bêtises là ont encore abandonné le deuxième puits que j'ai recommencé à creuser. Ils ont abandonné. Mais coucou. N'est-ce pas que je suis comme ça, je dis, on commence à mettre la pression. Donc, moi j'ai dit que même le puits là est fermé, même. Donc, le premier puits, comme on avait trouvé le caillou dedans, ils ont fermé, non. Donc, le deuxième puits, j'ai dit que je ne veux plus rien savoir, je vais laisser. Donc, on m'a dit, non, tu as jeté quand même ton argent dans la brousse. Non, continue. Moi, nous, on te conseille de quand chercher d'autres gars, ils vont vérifier. Voilà qu'on m'amène les tout pourris. Voilà qu'on m'envoie les tout pourris.
N'est-ce pas que... Non, on n'envoie pas les étoiles si tu veux le merci. Ne m'envoie pas les étoiles si c'est le merci que tu veux ici. Moi, les gens que j'envoie, les gens me disent merci. Tu vois les autres que j'ai envoyés, les 20 euros ici, les 30 euros. Ils fuient, ils ne répondent même pas au texte. Et si me disent, tu les revois encore ici. De nos jours, quand on donne, on ne regarde pas quand on va dire merci. J'ai envoyé... tu ne connais... Moi, j'ai envoyé l'argent aux gars ici, aux gens. Je ne les vois plus. Hein. Je vous dis, je ne les... Même pas merci. Ils m'ont écrit, déjà l'autre m'avait écrit pour me dire que oui, tu m'as promis 19 000. Je lui ai dit que maman, tu ne vois pas que je... On vient de me faire 19 000. Je ne peux plus t'envoyer 19 000, je vais t'envoyer 17 000. Je me suis engueulée. Oui, elle m'a engueulée parce que j'ai envoyé 17 000 à la... Parce que j'avais envoyé. Donc, mais coucou, il n'y a pas de mail. Quand vous envoyez, vous regardez pas qu'on dit merci ou pas. Elle ne vient plus, elle. Il ne vient... J'ai envoyé... Celui même que j'ai envoyé là où je me suis trompée de numéro, je vous l'ai raconté. Il n'a jamais répondu au téléphone, hein. Quand il répond, même il me raccroche au nez. Ah, on ne dit pas merci de nous jouer à Cadidon. On dit merci que les étoiles même. Si tu veux mettre les étoiles, mais n'attends rien ici là. Toi, tu n'entends pas que c'est l'argent du village et l'argent que je donne aux gens ici aussi qui regardent ici là. Qui... Ah, et c'est pour moi. Donc, il me faut 10 000 euros là. Là où je suis, je vais vous soumettre un gros problème, un gros projet. C'est un projet qui est important. Ça va bénir tout le pays. Le projet là. Donc, c'est comme ça que le pull là, vous venez même me couper ma parole ici là. Le pull là, on me dit non, oh là là, mais coucou, vraiment, bon, moi je vais enlever vos commentaires parce que là vous commencez déjà. Je ne vous ai pas demandé de commenter ici, je vous ai demandé de mettre les étoiles et partager et liker et mettre les cœurs. Vous ne faites pas ça, vous venez d'écrire écrire le long français ici. Est-ce que je vous d'abord je vous ai toujours dit que vos avis ne comptent pas ici. Hein? Oui, vos avis ne comptent pas. Sauf, même si vous mettez les étoiles, votre avis ne compte pas. Comment? Non, rien ne. Non, même si vous mettez les étoiles, moi je vous dis ça ne compte pas. Votre avis ne compte pas ici. Comment? Ah. Ouais, vous racontez ma chose, vous allez vous venir en parler. Vous ne mettez pas les étoiles, les longs commentaires. Vous allez partager. Partagez, mettez les cœurs, likez. Et puis mettez les étoiles. Faites vite. Parce qu'elle n'est pas long. Ah. Les célibataires dorment comment? Ils dorment. Maman, quand j'avais mon gars ici, moi, je pouvais venir m'asseoir à l'heure sur Meta pour vous parler. Vous me connaissez même. J'ai été en couple avec mon vieil puits. Moi aussi, maman, à l'heure 22, c'est ce que moi on dort déjà. Quand j'étais en couple, je pouvais venir m'asseoir encore à Meta. Moi aussi, une vieille rombière comme moi. Là. Au lieu que mon bé et moi, on se fait les bisous, les câlins, les massages. Je venais m'asseoir. Vous m'avez vu encore à Meta. Je vous dis que je dis à la fille là que la femme qui a envoyé mon mari en prison là, que quand je vais l'attraper, je connais où elle habite. Souhaite mourir. Je te cherche. Je vais t'attraper. Je t'ai dit que toi et moi, c'est bas. Tant que je ne t'ai pas encore comme tu viens ici sur mon. Tu as supprimé ton corps. Je dis que quand je pense que j'étais en couple, je dormais ici avec mon gars. Moi, voici qui dort seul, qui parle seul. Maintenant, il vient à mettre encore l'heure si. Moi, je vais encore l'heure si. Faire quoi, mettre? Une femme dimanche mariée. Vous verrez, je verrai. Aïe. J'ai dit qu'une jalouse comme ça, elle était jalouse de mon chéri. Elle a envoyé mon chéri en prison. Mais yo, là, je vais te retrouver. J'ai ton nom et ton. J'ai dit qu'on va te fouiller. Ha. Maman, laisse. C'est même pas ça. Bonsoir, tata Nathalie. Donc, je venais vous raconter que j'ai besoin de 10 000 euros. Moi, donnez même la moitié. Moi-même, je vais compléter. Donc, le puits là, le deuxième puits que. Donc, le premier puits, on a trouvé le caillou dedans. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Parce que moi, je suis un peu à la colline. Donc, on a creusé le puits là. On a refermé le puits là. Pour refermer le puits, on m'a demandé 10 000. J'ai donné. En même temps, j'avais déjà donné plus de 200 000 euros. Pour me dire qu'il y a le caillou en bas, on ne peut pas continuer. Donc, je vais alors laisser. J'ai commencé à me fâcher que non, je laisse, je laisse. Ils m'ont dit non, ne laisse pas. Parce que tu as déjà commencé. Tu as promis à tout le village que nanani, nanana. N'est-ce pas? Me voilà. On m'amène les tout pourris. Les tout pourris. Les tout pourris reviennent. Erwin, donc, envoyez les étoiles. Toi, tu dis au qui d'envoyer les étoiles. Toi-même, tu fais quoi là avec? Toi-même, tu envoies. Mais d'envoyer les étoiles, hein? C'est pour tout le monde. Toi, tu viens dire au qui qu'envoyer les étoiles. Tu viens dire au qui? Tu vois qui là, qui a la tête là,
qui a la tête, la pomme, quelqu'un qui peut mettre les étoiles. Toi, quand tu les vois, quand tu vois leur gueule, là, elle ressemble à quelqu'un qui peut mettre les étoiles. Toi, tu ne vois pas comment ils sont. Envoie les étoiles. Tu demandes les étoiles. Abîme les Américaines, les Canadiennes. Pas les. Pas ben, c'est bon. C'est bon. Ma belle-mère. Bref, il faut regarder les gens que tu demandes les étoiles. Les étoiles, ce n'est pas pour les. C'est pour les. Voilà, je veux dire, les sucets. Abîme les sucets. Bible, vous ne connaissez pas mes femmes qui habitent en Suisse et celles qui habitent en Amérique, en Angleterre, au Canada, en Suède. Kwangara vole, Kwangara vole, dépêchez-vous, je ne reste pas longtemps ici. À cause de celle-là, elle a envoyé mon mari en prison et vient maintenant m'asseoir à Meta pour bavarder seule devant la caméra. Quand les autres. Donc, je vous disais donc les gens là commencent, ma famille commence à dire oh, l'opio. Vous savez, quand vous promettez alors quelque chose à quelqu'un au pays, hey, ça devient une dette. Et comme la promesse, c'est une dette. Donc, c'est comme ça que oh, il faut vraiment, il faut vraiment. On a trouvé les bons gars, on a trouvé les bons gars. Donc, c'est comme ça qu'on reprend encore d'autres gars bêtis qui recommencent un puits à zéro. Les gars bêtis là demandent 100 000. Je donne 100 000, les gars, creusez le puits, bien, 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 creusez le puits. Il me montre, à un moment donné, on me montre la terre. On me dit, oh, vous savez, à un moment donné, là, quand l'eau est proche, tu vois la terre qui change. On me montre maintenant le sable, donc la terre qui sort, que tu presses comme ça. Après, on me montre, on creuse, on creuse, on creuse. Après, il me montre comme l'argile. Maman, je suis motivée, hein? Tous les jours, vin rouge, tous les jours, la poule, tous les jours, le coq, c'est comme ça que moi aussi j'envoie là. Je suis contente, non, qu'il y aura le puits. À un moment donné, les gars, bêtis, la creuse, creuse, ils retrouvent le caillou au milieu. Les gars, là, disent que, comme il y a le caillou là, ils ont aussi abandonné. Donc voilà, il y a deux équipes qui abandonnent. Pas le premier puits, ils sont partis. Le deuxième puits, les nouveaux sont venus, ils ont vu le puits, ils ont demandé 100 000, j'ai donné. Le vin rouge, le coq, la poule, la chèvre, les œufs, le tissu rouge, les bières, casier, vous connaissez les choses au pays quand vous faites moins de choses comme ça. J'ai tout, j'envoyais toujours, j'envoyais toujours, j'envoyais tout. J'étais contente du travail. Donc moi, quand je suis contente du travail, je ne discute pas le prix. Et puis, ils arrivent là-bas, ils disent que, oh, il y a le caillou au milieu, nous, on ne continue plus. C'est comme ça qu'ils disent que. Ils disent que donc, entre-temps, mon grand, entre-temps, c'est quoi? C'est que tu payes d'abord d'avance. Donc, j'avais donné 50 000. Et puis, quand ils ont commencé à me monter l'argile, ils ont dit qu'il faut ajouter, il faut finir leur argent. Moi, je savais que qu'ils vont me trouver le nom. Et puis là, on me dit le lendemain que, oh, les gars ont ramassé leurs affaires, ils sont partis. Sans dire au revoir. Dès que j'ai envoyé les 30 000 là, ils sont donc ça faisait donc j'avais déjà presque payé leur argent. Ils ont ramassé leurs choses dans la nuit. Ils sont partis sans dire au revoir à mes frères. Pourquoi? Parce qu'il y a le caillou en bas, ils ne peuvent pas continuer. C'est comme ça que j'ai dit ouais. Et là, on m'envoie alors les tout pourris. On me dit que ouh, les tout pourris là, eux ils descendent même à 50 mètres de puits. Mais il faut que tu donnes encore 100 000. Comme le puits était déjà, on me dit oui, l'eau est là. Voilà donc les tout pourris qui descendent d'en bas, qui creusent le puits en un jour. Ils retrouvent l'eau. Donc, ils ont cassé le caillou là. Ils disent qu'ils doivent donner 100 000. C'est là où j'ai dit aux tout pourris que non, je ne vous donne pas les 100 000 francs CFA. Parce que vous n'aviez pas travaillé. Vous n'avez travaillé qu'un seul jour. Comment ça se fait que moi, je. N'est-ce pas? Voilà les tout pourris qui disent que si moi, je ne donne pas leur argent, ils vont refermer le puits. J'étais obligée de céder à leur caprice. Je dis non, s'il faut donner l'argent, c'est aux gens qui ont commencé. Coucou, coucou, Juta, ça va? Ouais, tu es à Nice? La vie coûte cher à Nice, la belle vie. Oh, j'ai habité 10 ans à Nice. Donc, c'est comme ça que les tout pourris là, quand même, ils ont bien creusé le puits. Mais ils ont fait le travail en un jour. Et j'ai dit à mon frère que non, normalement, il ne fallait pas leur. Bon, il me dit, j'ai dit non, il fallait leur donner 50 000. Et tu rappelais ceux qui ont fui le travail, là. Il me dit non, 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 c'est eux qui ont trouvé l'eau, il faut leur donner leurs 100 000. Et tout ce. Bon, moi, j'étais contente, ils m'avaient trouvé l'eau. Et puis les autres avaient même fui. Quand on les appelait, même, ils ne répondaient plus trop au téléphone. Ils ne répondaient même pas au téléphone parce qu'ils pensaient qu'on valait. Bon. Et c'est comme ça que. Bon, bref, là, je suis venue vous dire que j'ai besoin de 10 000 euros et que je trouvais moi la moitié et que mettez-moi les étoiles. Parce qu'il y a un grand projet en cours.
Donc mettez les étoiles, partagez, c'est ça que je vais vous dire. Donc mettez les étoiles, je bavarde plus à mes tapes pour rien. Donc c'est comme ça que les tout pourri là arrange bien bien le puits. Après on me dit il faut acheter les buses, il faut acheter 10 buses. J'ai acheté les buses. Ils ont fait tout, 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 tout. Maintenant, quand tout le village vient puiser l'eau, vous savez qu'on ne défend pas l'eau. Tout le village vient puiser l'eau là-bas. Bon, pas tout le village, notre famille. Vous savez les familles, non? Vous avez même les oncles, vous savez les frères, les frères, les frères, j'ai dit, les frères, les frères, les frères qui sont là. Les cousins, les cousins, les cousins qui sont là. Les oncles avaient là, donc tout le monde, tout notre... Et puis les petites familles d'à côté là, qui, tu vas refuser à qui? Donc c'est comme ça que l'eau là, apparemment le puits tarit. Le puits tarit. Donc il n'y a plus assez d'eau. Et coucou Marielle. Il n'y a plus assez d'eau dans le puits. Et la dame, il y a ma tante qui est à côté, qui a fait, elle a fait la mise en eau chez elle avec tout ce qu'il faut. Et comme elle est un peu en bas, donc elle, apparemment tout l'eau va là-bas. C'est ce qu'on m'a expliqué, je n'étais pas là-bas. On m'a appelé ici pour me dire que oui, tu sais, Ngamienga, elle s'appelle Ngamienga. Ngamienga a fait la mise d'eau chez elle. Et nous, on a pris l'eau. Donc, tout, comme nous, on est un peu à la colline, donc tout, elle tire en fait, c'est ce qu'on m'a dit, hein, que tout l'eau va là-bas chez elle. Donc, chacun a son puits, mais elle, elle a fait une bonne mise en eau. Bon, elle a fait une bonne mise en eau chez elle. Donc, apparemment, tout, c'est ce que mon frère me dit, hein. Apparemment, tout l'eau, tout notre puits d'eau descend chez elle. Comme elle, elle a fait une bonne mise en eau. Est-ce que je suis à leur technicien? Donc, j'ai demandé à ma famille que vous ne pouvez pas chercher quelqu'un d'autre qui peut venir aussi faire la bonne mise en eau dans le puits là. C'est là où ils m'ont dit que le puits là est trop profond. Il n'y a peut-être personne qui pourra descendre là-bas. Et puis, c'est même dangereux. Vous voyez, non? Donc, la solution qu'ils me disent et qu'ils ont trouvé est que c'est mieux que je fasse un forage dedans. C'est pour ça que je vais vous demander l'argent ici. Donc, ma famille dit que moi, elle doit leur faire le forage d'eau. Le forage d'eau ne coûte pas 10 000 euros, mais vous savez, moi, je suis une star. Vous comprenez, non? Quand je vais aller au pays, là, je dois rester au Hilton. Je vais faire 2 mois là-bas. Je ne vais pas aller faire à manger. Je ne vais pas aller là-bas. Il m'a dit quoi? On fait maintenant des forages? Bah oui, le forage. Oui, le forage d'eau, non? L'eau là, tu n'as plus besoin de creuser le sol. Tu mets la machine qui creuse en bas, qui t'amène l'eau en haut. Ah ben, je ne sais pas comment on appelle. Ça s'appelle le forage d'eau, hein? Et puis, comme ça, quand tu as fait tout, tu mets la pompe, les gens viennent puiser comme ça. Voilà, je comprends pas ce que vous... Donc, bref, mettez les étoiles. Et ne me posez pas trop les questions ici, là. Ne me cherchez, ne parlez pas beaucoup. N'écrivez pas même beaucoup, là. Mettez les étoiles. C'est comment? Je bavarde. Je vous ai déjà dit que quand je viens ici pour vous expliquer, pour vous exposer un problème, il faut écouter et vous faites ce que moi je vous dis. Vous ne posez pas les questions. Le forage, le feu, c'est quoi le feu? Vous m'embrouillez même. C'est pas ça que je suis venu ici. Moi, je vais vous dire qu'il faut mettre les étoiles. Et beaucoup d'argent parce que vous pouvez me faire les Western Union, l'Iria et les MoneyGram. Voilà. Cherchons l'argent vivant. C'est ça que je vais vous dire ici. Donc, ma voisine, ma tante, Ngamienga a fait la mise en eau chez elle. Une bonne mise en eau chez elle. Avec son puits d'eau. Tu as une page. Tu as une page. Ah, mais si tu as une page, il faut me lancer. Comme ça, moi-même, je viendrai aussi souvent te soutenir. Si tu n'as pas une page, on va te mettre. Tu vas-tu chercher les étoiles, comment, si tu n'as pas une page. Bon, bref. Si tu as une page, il faut me faire ça. Il faut m'envoyer ça in inbox ou à WhatsApp. Je viendrai regarder ta page. Ah non, oui, non, pas besoin. Après le live, je vais cliquer sur ton... tes trucs là, ton profil. Oui, donc là, donc comme Gabriel, ma voisine a fait une mise en eau chez elle et du coup moi notre puits a tari et ma famille maintenant ils disent que c'est mieux le forage parce que le forage ça ne tarit pas. Bon, le forage coûte merci pour la fleur traiteur créole. Le forage il coûte dans les 5 000 euros. Non, bon, pas jusque là-bas. Hein. Mais moi, donc là, je vais aller au Cameroun en septembre. Moi, j'ai acheté mon billet d'avion. Les billets d'avion coûtent cher, comme je vous ai dit au début du direct.
Les billets d'avion sont à 800 euros avec deux bagages. Si tu vas avec un seul bagage, c'est 600 euros. Et c'est avec Air peut-être. Air France, c'est maintenant difficile de trouver un billet d'avion à ce prix-là avec Air France. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est Air peut-être, Air Bosa. Tu as les billets comme ça à 800 euros. Donc j'ai acheté le billet. Mais moi, moi-même, je vais aller faire le forage là sur place. Je n'envoie pas l'argent à mes frères. Oui, parce que quelqu'un qui est né, qui n'a jamais compté, qui n'a jamais touché, quelqu'un qui est né, qui n'a jamais touché 500 000 francs CFA. Toi, tu portes les 500 000 francs CFA là, tu pars lui donner. Ça, c'est le rang de. Il va plus chercher l'argent dans sa vie. Il sait que sa soeur va toujours lui faire. Donc, moi, maintenant, si tu vis au Cameroun et que tu as l'habitude de compter 1 million, donc 1500 euros, moi, je peux t'envoyer facilement 1500 euros. Mais si tu as l'habitude de compter les 100 000, les 150 euros, 200 euros, moi, je peux pas t'envoyer. Voilà, je t'envoie à ce niveau-là. Parce que si je t'envoie 500 000, donc près de 700 euros, si je t'envoie ça, tu vois, non, mais ça. Oui, ça va te rendre dingo, tu vois. Voilà, tu vas aller. Oui, comme moi. Oui. Moi, j'avais donné 500 000 francs CFA à mon grand frère. Père son âme, il est décédé. Toujours pour le puits d'eau. Quand j'étais en Afrique avec mon moukala qui est venu me chercher là, qui me donnait l'argent. Mon grand frère, oh, il faut nous mettre de l'eau, il faut nous creuser le puits. Parce que nous, on a notre beau-frère qui est quand même white. Et on va épater tout le village. Mais coucou, je vous dis, mon grand frère avait les idées. Oh, il est mort jeune, hein, 39 ans. Il est mort en 2011. Oh, vraiment, il faut qu'on épate le village, il faut qu'on montre à nos cousins. N'est-ce pas, c'est comme ça que je réclame l'argent à mon VIP, mon white. Il comptait les 500 000, il me donne. Non, il me donne. Il m'a dit, va retirer l'argent à la banque parce que j'avais accès à son compte, comme je vous ai dit, j'avais accès à son compte bancaire. Je suis allée à la banque, et mon grand frère m'a accompagnée. Hein. Je suis à la banque, j'ai récupéré 600 000 francs CFA. Donc, il y avait l'argent de transport, l'argent pour amener. Vous savez, quand vous allez au village, il faut quand même amener à manger et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, je lui donne 600 000 francs CFA. On va à la banque, on retire l'argent ensemble. On comptait bien ça. On comptait bien l'argent ensemble. Je prends l'argent, je lui donne. Et comme j'avais une voiture, j'avais une 205. Il me dit, merci, miracle. Et je lui demande, je t'accompagne à l'agence de transport. Donc, il y avait les agences, il n'y avait pas beaucoup d'agences de transport. Il y avait quelques agences, hein. Il y avait les cas là, les cas, les petits yas là. Il me dit, non, je vais prendre le taxi, je vais aller, maman. Coucou Marguerite, c'est comme ça qu'il prend le taxi. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé. Hein. Tout ce que je sais, c'est que. N'est jamais allé au village. Il est parti prendre. Comme il était en couple avec une fille Douala. Enfin, une fille. Vous savez, les Douala sont nombreux. Il y a les Bakoko, je sais, bon, les Douala, donc les côtiers. Il est parti prendre sa femme côtière. Il est parti doter sa femme avec. Et la fille aussi, elle est décédée, je vous assure. Vous savez, en Afrique, les gens meurent vite. Et la fille aussi, il est parti doter sa femme avec les 600 000 là. Bon, pas avec tout. Donc, apparemment, quand je lui ai donné l'argent, il a acheté le matelas, il a acheté un sac de riz, le poisson fumé, avec tout ce qu'il est parti vivre chez son ex, chez sa femme. Comme il n'y avait pas beaucoup de téléphones, vous voyez, non, il n'y avait pas beaucoup de téléphones. Chaque semaine, j'avais mon frère qui venait me téléphoner à la cabine téléphonique. Et là, on avait rendez-vous, il y avait que les cabines. Chaque semaine, il montait à Yaoundé. Donc, il arrive, il dit, allô, comment vous allez là-bas? Je dis, ça va. Et Manga, il va bien? Oui, Manga, il me dit, Manga est là-bas à Douala, non? Donc, mon grand frère, je dis, Manga va bien? Et le puits, ça va? Il dit, quel puits? Je dis, mais j'en ai de l'argent. C'est rigolo. On dit, mais Manga est là-bas à Douala, non, avec toi. Je dis, oui, il était ici.
vous venez vous créer. C'est là mon petit fils dit que mais non, ma gars n'est jamais venue. Mais j'ai dit quoi? Donc après les recherches et tout, deux semaines après on me dit oui, un mois après on me dit oui, il est effectivement il est parti doter sa femme avec l'argent que tu as. Il est parti doter les femmes avec sa femme. C'est pour ça. Bon, donc pour vous dire que l'affaire de Puy d'eau là, maintenant moi je ne veux. Donc oui, Manga est parti doter sa femme. Vous savez, l'argent finit vite. Hein. Hey, les 600 000 sont finis, en, je crois, il a fini ça en 3 mois. Hein. Il est parti doter sa femme, il a donné un pot aux ex. Vous savez, en Afrique, quand tu as l'argent, tu as même 4 copines. Il est parti épater les jeunes filles, il est parti. En 3 semaines, l'argent est fini apparemment. Il a acheté le matelas, les petites friperies, le lit, il avait le chef. Il est parti s'installer. Et c'est comme ça que. Quand l'argent finit, même l'argent quitte le Yabassi, parce que la fille était Yabassienne, un truc comme ça, je vous dis, ça fait longtemps, hein? Je vous parlais de ça, c'est vers les années 2003. J'ai bonne mémoire, il m'a fait ça. Et la fille devait être de Yabassi, une Yabassienne, donc même l'argent pour quitter le Yabassi, pour revenir à Yaoundé, à Douala, là, il n'y en avait pas. Où il s'est démerdé comment, oh? Un jour, je me réveille pour aller travailler. Je vois qui est devant ma porte en train de faire pitié, mon grand frère. Sale, sale, avec la poussière partout sur la tête. Où il avait seulement marché à pied. Il était placé comme ça. Il me dit, petite soeur, Ngouema, Ouema. Je dis, il me dit, si tu veux me tuer, tue-moi. J'ai dit, mais il y a quoi? Après, il me dit, de toute façon, si nous on est pauvres aujourd'hui, c'est parce que toi tu as pris toutes nos chances pour épouser le blanc, pour avoir la richesse. Je lui dis, mais attends, où est le rapport? Je ne t'ai pas posé les questions, tu sors d'où? Bonjour, bonjour, si tu veux me tuer, tu commences. Il a commencé à m'agresser, à m'engueuler. Maman, quand il y a les gens qui sont où il y a la mort sur eux, sont toujours comme ça. Il avait laissé projet. Iki! Maman! De ses projets, il me dit oui, de toute façon, c'est toi qui as pris toutes nos chances pour épouser le blanc, pour être riche. Donc, la richesse là, tu dois partir. J'ai dit seulement que et qui est où est le projet? Tu sors d'où le puits, c'est quoi? Et il mangeait, maman, il mangeait la bouche, il mangeait la bouche, il mangeait seulement sa bouche. Il me disait quoi? Même le quand le monsieur, même le white qui m'avait donné l'argent, dit que mais. Alors, donc, je ne pouvais pas le mentir puisqu'il allait dans mon village. Je ne pouvais pas le mentir en disant qu'il a fait le puits. Il allait dire que viens, on va voir. Vous connaissez les blancs, non? On va aller vérifier. Donc, j'ai dit la vérité au blanc. Le blanc a dit, bah, écoutez, vos problèmes familiaux, vous connaissez les blancs, hein? Écoutez, vos problèmes familiaux, il faut m'enlever dedans. Hein? Moi, je sais, tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu de l'argent. Il a commencé à bavarder, à m'engueuler, à nous engueuler. Il dit, oui, mais vous les Africains, il s'est fâché, hein? Il s'est fâché que il a donné 500 000 francs CFA, sans compter les 100 000 francs CFA de transport, pour que le gars est parti ramasser ses affaires. Comme je l'avais logé, il avait pris une chambre à côté. Vous savez que les Européens n'habitent pas avec la famille dans la même maison. Donc, je lui avais pris une chambre à côté de moi. Il est parti ramasser ses affaires, il est parti doter sa femme. Acheter un autre lit, donc il est parti parce qu'il avait déjà le lit, les bouteilles à gaz, les plaques, il a tout ramassé. Ils ont loué la voiture, déjà loué la voiture de Douala jusqu'à Yabassi. Oui, pour mettre les lits, le frigo, l'eau. Et il a acheté un deuxième lit parce qu'apparemment la maman de la fille n'avait pas aussi le lit. Vous connaissez au pays, hein? Quand tu prends une fille que la famille n'a pas, tu vas donner aussi pour. Tu ne peux pas laisser la famille. Je vous assure. Donc, bref, pour vous raconter, en gros, que je suis venue vous demander des étoiles parce que j'ai un projet de faire un bon, pas le puits d'eau, parce qu'à l'heure actuelle, le puits en question qui est là, Tari. Tari, donc là, il faut faire le forage. Parce que comme ma voisine a fait, ma tante a fait la mise en eau, elle est à côté de chez moi. Donc, moi, mon puits d'eau que vous connaissez là, ça Tari, il n'y a plus assez dedans. Maintenant, j'ai besoin de 10 000 euros et que je veux la moitié. Donc, il faut m'envoyer l'argent par Western Union, par Ria ou par MoneyGram. Ou bien mettez les étoiles ici, là. Voilà.
Les célibataires dorment comment? En attendant, donc cherchez les cartes bleues, allez chercher vos cartes bleues. En attendant, je vous montre comment les. Comment les célibataires dorment? Ils dorment comme ça. Elle m'a envoyé mon chéri en prison et comme des blagues. Elle m'avait dit, je vais te montrer. Je vous dis, on peut détester quelqu'un comme ça, elle ne connaît même pas. Tout ça parce que, pour les vues, parce que les gens me regardent à méta, comme si ça me donnait l'argent. Les célibataires dans mon combat, ils te rendent comme ça. Ah, souhaite mourir quand je vais t'attraper. Je vais t'en coller deux. Mon vieux est bien du genre en prison. Hein. Ah oui, hein? Vous savez, il y a des gens méchants. Bon, bref, en attendant, ben moi je dors, je suis chez moi ici, tout ça. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec un monsieur. Voilà. L'amour de ça. Pardon. Bon, sérieux-moi, mon cœur n'est plus avec les white. Non, le gars, il est gentil. Oh, il est sympa. Bon, après, tu vois, c'est ce que je ne comprends pas chez les Européens, ils ont un problème avec l'âge. Oui, ils ont un problème avec l'âge. Il n'a pas arrêté de me dire, ouais, j'ai 50 ans, 51 ans. Parce qu'on s'est connus l'année passée, ça fait un an. Quand je l'ai connu, il me disait, ouais, je suis tout seul, je suis vieux, j'ai 50 ans. Je ne sais pas si je vais retrouver l'âme sœur de ma vie à mon âge. Déjà, ça m'a fatigué. Et là, on est passé l'après-midi ensemble, il n'a pas arrêté de me dire, oui, est-ce que tu trouves qu'à mon âge, je plais encore aux femmes? Est-ce que je te plais? Est-ce que je te plais? Oh, il dit, oh, regarde, il me dit, ouais, j'ai l'impression que je ne plais plus aux gens, aux femmes. J'ai l'impression que si un jour toi et moi on est ensemble, est-ce que tu vas aussi me quitter comme mon ex? Oh, que il a, j'ai dit, mais on est même, pourquoi tu penses au truc comme ça? Laisse la nature faire ses choses. Il ne faut pas dire, j'ai pas arrêté de bavarder là-bas, je vous assure. Bon, après, ça m'a fait une sortie. Ah, il m'a acheté une bouteille de champagne. Il m'a acheté une, bon, je vous dis ce qu'il m'a acheté. Il m'a acheté, donc, il m'a pris, non, c'est pas qu'il m'a acheté. J'ai commandé, c'est pas que c'est bon, il m'a demandé de commander. Hein. J'ai commandé un jet set que j'ai bu sur place et en partant, on allait faire les courses. J'ai pris une bouteille de champagne et je vais la boire demain devant vous. Demain, c'est mardi. Je vais l'ouvrir devant vous. Là, je vais aller au lit parce que demain matin, je commence à 9h demain. Vous savez, je fais ma formation hein, en ligne. Hein. Je fais ma formation en ligne. Voilà. Je fais ma formation en ligne de comptabilité. Donc voilà, et je commence à 8h demain jusqu'à midi et de 13h à 16h. Tchouille! Moi j'ai dit qu'elle veut changer mes métiers. Là, je suis en train de changer. Voilà, je suis en train de changer des métiers. Moi je veux plus. Voilà. J'ai du talent, hein, j'ai du savoir-faire. C'est vrai qu'en France, les Français, ils veulent toujours que nous... Moi, je ne veux plus aller faire les nettoyages. Non. Non, c'est pas que je ne veux plus, c'est que je n'ai plus la force. Le dos est cassé. Ouais, non, le dos est cassé. Ici, là, au niveau d'ici. Ici, là, au niveau du bas-ventre. Tellement, je faisais les chambres que... Ah non. Là, j'ai la déchirure musculaire. Donc, moi, regardez, les doigts sont déjà... Non. Non, j'ai plus la force. J'ai plus la force. Voilà. Donc, comme je vous dis, hein, oui, mon VIP est toujours en prison. Hein. La femme l'a mis, envoyé la femme l'a tué en prison. Je ne sais pas. J'ai plus de nouvelles parce que quand vous êtes en prison, vous êtes en prison. Hein, le téléphone est sur répondeur. Hein, vous n'appelez pas. Hein. C'est dur, hein. C'est dur. C'est pas dur. Bon, c'est dur pour moi, mais je voulais aller le voir. Il m'avait appelé une fois, hein, il y a 3 semaines. On a causé vite fait. Il m'a dit, non, ne viens pas ici. C'est pas bien. Voilà. Donc, maintenant, mes filles, mettez les étoiles.
Ouais, je suis chez moi ici. Tu vois? Non. Dis-donc, il y a un petit. Je vais appeler un gars là. Il va venir me livrer. J'ai faim. Il va venir me livrer. Il y a un gars qui fait le poulet brisé, le porc brisé, la chèvre brisée, le poisson brisé. Même si le minuit, tu l'appelles, il vient te livrer. En fait, il fait cuire, il met au congèle. Quand tu l'appelles, il réchauffe, il t'amène ça. C'est bon. Hein. C'est comme au pays, avec le bon piment à côté. Et je vais boire une bière. J'ai la bière au frigo. Donc, je vais pas trop les bières. Bon, j'attends maintenant. Parlez. Maintenant, allez chercher les cartes bleues. Allez chercher vos cartes bleues. J'ai tamisé ma lumière. Je suis pas à l'auberge. Les gens qui disent que tu es à l'auberge, tu es à l'hôtel. Je suis pas à l'auberge, je suis pas à l'hôtel. Je suis dans ma chambre VIP. Voilà, ça c'est ma chambre VIP. Allez chercher maintenant les cartes bleues. Mettez les cœurs. Et vous commentez, je vais lire. Bon, mettez d'abord les étoiles. Celui qui met les étoiles, je lis son commentaire. S'il n'y a pas les étoiles, ne lis pas vos commentaires. Habileté. Vous me prenez pour qui? Je viens lire vos commentaires. C'est vous qui me mettez. Vous m'avez acheté les lunettes. Vous m'avez envoyé le col pour lire vos commentaires. Vous avez la meilleure. Oh, aïe. Pardon, hein. Faites vite. Non, attends. Peut-être comme je n'attendais, j'allume la lumière. Ou bien comme il n'a pas la lumière, vous croyez très bien. Voilà. Donc faites vite quand même, vous allez chercher. Allez chercher les cartes bleues. Voilà, j'attends, la star attend le bon. La star attend les cartes bleues. Le. Faites vite, hein. Je donne. Quand même, vous allez chercher les cartes bleues. Ça, c'est quoi ça? Je vous soumets un problème. Je dis que j'ai un problème de 10 000 euros. Il faut mettre la moitié. Moi, j'ai déjà la moitié. Voilà. Non, la star, moi, je ne mangerai plus pour vous. Hein. Mettez les cœurs, merci pour les cœurs. Hey, qui me bombarde même les cœurs? Oui, mais en même temps, prenez la carte et il faut les deux. Les cœurs, la carte et les étoiles. Et les trois et les partages. Maman, demain, on va faire sport, hein. Demain, je vais faire le direct pour faire le sport avec vous. Non, je suis une belle femme. Est-ce que moi, les gens qui disent que Tata Aline est plus belle que moi, là. Vous vous trompez, hein. Je suis belle plus que Tata Aline. Je ne vois pas où vous voyez sa beauté. Maman, moi, je suis plus belle qu'elle. Parce qu'elle a les fesses, c'est tout. Sinon, moi, je suis plus belle qu'elle. J'ai eu un commentaire, on dirait qu'elle est plus belle que moi. Trompez-vous, c'est moi plus belle. Je suis la plus belle de Facebook. Hein. Si je cintre mon corps, vous allez savoir. Mais coucou, j'ai commandé mon pain de la fête des mères. Donc là, vous savez qu'au pays, à chaque événement, il y a un tissu qui sort. Donc vous avez comme le premier, la fête du travail, il y a un tissu. Bon, moi je ne prends pas. La fête du 20 mai, il y a un tissu. Et là maintenant, il y a la fête des mères qui arrive bientôt là. Le tissu est sorti là-bas au pays. Donc j'ai acheté mon tissu qui coûte 10 500 francs CFA. Donc 20 euros. Et on va envoyer ça par la poste. Donc là, d'ici peu, ça va arriver. Et le jour de la fête de mai, je vais mettre le kabbalah et je vais danser. Ça va chauffer. Donc si vous voulez, vous pouvez commander, hein, au pays. Voilà. Les célibataires dorment comment? Ils dorment comme ça. La personne qui a chanté la chanson là, non, elle devait avoir le succès. Ah oui, lui le célibataire souffre, tu vois. Non, mais coucou, quand j'étais avec mon VIP à l'heure, il n'y avait pas à Meta. Nous voici à Meta à l'heure. Meta nous sauve, nous les gens qui sommes seuls là, parce que quand tu es seul, Meta est bien. Attends, Meta est bien. Tu es même allongé comme ça là, tu bavardes tout, tu n'as pas besoin. Non, Meta est bien. Meta
très bien. Et nous sommes nous les célibataires. Quand tu restes comme ça, tu ne parles pas. Tu commences à dire. Je fais comment? Oh, je connais un truc. Tu appuies le bouton piap. Tu commences à bavarder avec ton téléphone. Maman, c'est bien. Tu es même couché comme ça. En même temps, je suis en train de regarder mon film X là. J'ai mis mon film X. Je regarde. Et je suis là avec vous. Oh, non, la vie est belle. Oh. Mais vous n'êtes pas de l'autre côté là-bas. Ah, mon idée. Attends, il est quelle heure? C'est bon. Oui, parce que dans 15 minutes, j'arrête. Oui, parce que c'est pas bon. Moi, j'ai la journée entre 21h et 23h. C'est là où j'aime aller au lit. Oui. Donc, je vous ai dit, j'ai enlevé mon vernis hein, pour bien laver mon oui. Mon minou, je racle comme ça, croc, 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 croc. Voilà. Donc, je vous disais, pour le tissu là, pour le tissu, il faut envoyer quelqu'un vous acheter ça à Sikam. Vous connaissez Sikam? C'est Sikam qui a sorti le tissu là, la fête des mères. C'est beau, hein? Ouh, c'est très joli. Je vais vous poster ça tout à l'heure, après le direct. Vous-même, vous achetez votre tissu au beaucoup. Ou bien, hein, si vous avez quelqu'un qui a Michael. Mouka, Michael, tu es sûr que les étoiles que tu m'as mis là, ce sont les étoiles payantes? Tu as utilisé ta carte bleue pour mettre les 200 étoiles là. Parce qu'il y a étoiles et étoiles. Il y a les étoiles qui, comme ça, tu vois comme ça, il n'y a pas l'argent dedans. Les étoiles que je vous demande, ce sont les étoiles où il y a l'argent. Donc, il faut prendre celle où tu as tapé avec. Où tu, prends, tu as la carte bleue. Il faut mettre là où il y a la carte bleue hein, parce que je connais les fausses étoiles. Hein. Voilà. Donc, moi, depuis que je suis seule là, j'avais mon VIP ici là qui partait vendre son banga. Il me ramenait l'argent. Je ne vous demandais rien. Donc, maintenant, comme vous avez envoyé mon VIP en prison, quand j'ai besoin d'argent, je viens m'asseoir ici. Vous allez me donner. Là, j'ai besoin de 10 000 euros. Moi, j'ai la moitié. Vous me donnez la moitié. Je vais compléter. Je suis en train de vouloir faire le forage d'eau dans mon village. Et comme il faut l'argent, vous allez me trouver l'argent là ici. Par ailleurs, par Marivan ou par Western Union. Moi, je ne lis plus vos commentaires si vous ne me mettez pas les étoiles. Non. D'abord, je ne sais pas lire. Moi, je ne sais pas lire ni écrire. Et puis, je n'ai pas les lunettes. Je ne vois plus bien. Ma vue a baissé. La vue baisse. Je vous ai déjà dit. Donc là, quand mon vieil va sortir de la prison, hein? Vous ne me verrez plus à Facebook à l'heure ci. Sauf si vous me payez. Oui. Sauf si vous me payez. Michael, je connais la qualité des étoiles là. Rajoute pour 100 euros. Rajoute pour 100 euros. Hey. Qui m'appelle? Mais coucou, qui m'appelle? Attendez. Si c'est quelqu'un qui m'embête dans mon direct comme ça là, je vais l'insulter. Oui. Donc, connectez-vous. Voilà. Attends, je coupe, je reviens.